vous êtes prêts. Sont de plus en plus fortes. Soit j'ai mangé un truc qui ne passe pas, soit mon lien avec Valcorion se resserre un peu plus à chaque minute qui passe. Il est peut-être en train de jouer avec vous, à moins que vous n'ayez aperçu une chose qu'il ne voulait pas que vous voyiez. Quoi qu'il prépare, je serai prête. Vous avez apporté l'holocron ? Je l'étudie depuis qu'on s'est enfui de Nathema. Le fonctionnement de la relique reste un mystère, mais son pouvoir est indéniable. Si elle peut vous protéger contre Valcorion... Vous pensez vraiment que cette papiole rouillée peut me faire du mal? Cette babiole est puissante dans la Force. Vous l'avez enfermée pour une raison. Et si vous vous retournez contre moi, je l'utiliserai. Accrochez-vous à des antiquités s'il le faut, mais ne perdez pas l'objectif de vue. Emparez-vous du trône éternel. On a fait trop de sacrifices pour se retourner l'un contre l'autre maintenant. J'ai senti sa présence. Comment pouvez-vous supporter ça? Une fois, j'ai hébergé une meute d'esprits dans ma tête. Valcorion est comme eux, mais en plus bruyant. Vos défenses mentales sont vraiment impressionnantes. Commandant, on vous attend sur le pont. Votre équipage est prêt. C'est l'heure. L'heure est enfin venue de s'emparer du trône éternel. L'impératrice Véline est tombée. En son absence, la flotte éternelle sème le chaos dans l'espace connu et menace d'exterminer toute forme de vie dans la galaxie. Il n'y a qu'une façon de les arrêter. Nous devons nous emparer du trône. L'ennui, c'est que ces vaisseaux de guerre bloquent Zakel et pilonnent inlassablement la ville. La flotte ne reculera devant rien pour protéger le trône. Aucun vaisseau ne peut briser leur blocus, pas même pour aller se mettre à l'abri. Vous connaissez la flotte éternelle mieux que personne, Arkan. Comment fait-on pour franchir le blocus? C'est impossible. La flotte est dotée d'une technologie supérieure à tout ce que connaît l'Alliance. À tout sauf au Cénotaph. Quelques réglages au niveau des boucliers et on pourra passer. Alors c'est décidé. Quand arriverons-nous sur Zakel? Maintenant. Les boucliers sont parés à l'action. C'est maintenant ou jamais. Forcez ce blocus. Thank you.
Quoi qu'il se passe là-bas, je voulais juste vous dire que je vous aime. Moi aussi, je vous aime, Théron. Vous serez magnifique sur ce trône. Nous nous battrons à vos côtés, commandant. J'ai commencé cette guerre, et je vous aiderai à y mettre un terme. Valkorion connaît vos points faibles. Il essaiera sûrement de les exploiter et de vous détruire. Si Père se montre, nous serons prêts. Pour Zakel ! Pour l'Alliance ! La tactique préférée des chevaliers de Zakel. Quand j'étais à leur tête, les chevaliers visaient mieux. Dans le mille. Indouzal, à vos ordres. Chargé à bloc et impatient de servir l'Alliance. Mais ce dernier tir n'a peut-être luxé. Un homme sans envergure serait revenu sur son engagement. J'ai envoyé vos rebelles mourir à la petite sauterie de Véline. Je ne trahirai jamais une amie. Concernant les autres rebelles, je crains qu'ils vous aient laissé tomber. Ils criaient des choses atroces, comme quoi l'étrangère les utilisait comme de la chair à canon et des plans pour vous envoyer au diable.
J'ai sauvé vos amis des créatures de Vélin. Où est passée leur gratitude? Massacrés avec ceux qui sont morts à la petite sauterie de Vélin. Ce sont leurs paroles, pas les miennes. Ils ont lancé l'attaque! Kaivella vous protège, étrangère! La victoire est à portée de main, mais vous ignorez une menace plus proche. Un ancien empereur tombé en disgrâce. Et sa mère, un chevalier renégat. Débarrassez-vous de ma famille, et personne ne s'opposera à ce que vous montiez sur le trône. Encore une interruption. Et je donne le trône à Arcane, rien que pour vous embêter. Vous n'oseriez pas. Zakel est en feu. La République souffre. L'Empire Sith est en train de s'effondrer. Vous seul pouvez commander le trône et canaliser le pouvoir de la flotte éternelle. Thank you.
mon trône. J'ai pris la vie de mon frère ici, provoqué la colère de Velin, abandonné le peuple de Zakel. Je ne suis pas fait pour régner. Je ne l'ai jamais été. Écartez-vous et regardez comment un vrai chef prend le pouvoir. Le trône est à vous, commandant. S'est arrêté. Vous avez réussi, commandant. Bravo. Après des années de conflit, vous voilà impératrice de Zakel, commandant en chef de la flotte et héritière du trône éternel. Attention, Valkorion. J'ai l'Holocron, et je n'ai pas peur de l'utiliser. Votre relique ne sert à rien. Non ! Stop, père ! Je vous ai offert ma clémence dans cette même pièce, mais vous allez refuser de vous prosterner. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Vous croyez que je suis votre marionnette ? Prosternez-vous. À vos ordres, empereur. Vous avez été un pion exemplaire que j'ai transformé en un réceptacle de puissance suprême, digne de préserver mon esprit. Aujourd'hui, je fais de votre corps le mien. Et je redeviens l'empereur immortel. Vous ne pouvez pas faire ça, Valkorion. Je l'ai déjà fait. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Que s'est-il passé ? Vous êtes le commandant de l'Alliance, et avant cela, marcheur de la Force et membre du Conseil Noir. Vous avez l'apparence de Valkorion, mais vous êtes toujours la même personne. Ça y est, je perds la raison. Pas encore. Mais ça arrivera si vous ne faites rien. Valkorion a brisé votre âme et vous a expédié au tréfonds de votre psyché. Il pense que vous êtes morte, mais vous avez survécu en prenant sa forme. Trouvez l'Holocron. Sauvez votre vie.
Je vous ai amené à Trakivelin. Et quand elle a menacé votre vie, je l'ai vue se prosterner devant le dragon de Zakel. En l'attaquant, vous avez libéré son âme. Et vous m'avez donné la clé de votre défaite. J'ai fait semblant de vous abandonner sur Odysseus, mais mon départ était une ruse. Prisonnier de votre âme, j'ai observé dans le silence la manière dont vous vous comportiez en mon absence. Votre puissance s'est démultipliée, vos vulnérabilités se sont exacerbées. Avec le temps, la curiosité a eu raison de moi. Et un plan a commencé à prendre forme. J'allais affaiblir votre âme, prendre possession de votre corps et vous asseoir sur le trône éternel. Mais tout d'abord, il me fallait de nouvelles armes pour conquérir votre psyché. Dans votre esprit, j'ai mené des expériences pour satisfaire ma curiosité. Je vous ai offert ma puissance, et vous avez accepté. Je vous ai poussé à défier Arkham, mais au lieu de cela, vous l'avez recruté. Vous avez aidé mon fils à me terrasser. J'ai refusé de céder à la mort. Mon esprit a envahi votre âme en quête d'un nouvel hôte. Vous avez résisté.